Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 313 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui change un peu d'habitude, qui s'appelle Ticket to Ride. Et qui est un jeu de plateau, il me semble. Alors, on va faire le tutoriel. On va commencer par là. Hop, je positionne un peu tout ça. Apprenez à jouer à Ticket to Ride parce que je sais pas y jouer. Mais j'ai vu que c'était un jeu de plateau et qu'il fallait réfléchir. Donc on va réfléchir ensemble. On va voir simplement. Dans ce tutoriel incératif, touchez le bouton X pour continuer. Pour ce message, à tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton d'aide de Géraldine pour lire les règles. Dans Ticket to Ride, vous devez marquer le plus de points en jouant des cartes wagons de votre main pour prendre des routes sur le plateau, utilisant ces routes pour relier les villes de vos objectifs. En voiture, prenez au moins deux objectifs. Maintenez le doigt dessus pour faire ressortir les villes d'un objectif sur le plateau. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a celle-là. Alors, on a celle-là en haut ici. On a celle-là ici et celle-là ici. On va prendre les deux premiers, Montréal et Los Angeles. Et c'est parti. Jouons le premier tour. Regardez le plateau, nous allons vous aider à prendre vos premières routes et à réussir. L'objectif surligné sera... à réussir l'objectif surligné en bleu. Déposez une carte de couleur verte sur la route surlignée pour la prendre. Utilisez la cible qui s'affiche au coin de votre carte pour la faire glisser sur la route voulue. Hein ? La cible qui s'affiche au coin de la carte. Ah oui, d'accord. Ici, une carte. Plus deux. Vous avez pris une route de couleur. Vous avez pris une route de couleur. Ces routes peuvent être prises avec une série de cartes de la couleur de la route. Ok. Prenez les routes nécessaires à la réussite de votre objectif. Attention, si les villes d'un objectif ne sont pas reliées à la fin du jeu, vous perdez les points indiqués au lieu de les gagner. Pour faire défiler vos objectifs, touchez celui qui est au premier plan. Alors, j'ai ça à faire. De là à de là bas. Et de là à de là. Ok. Ensuite... C'est quoi la suite, espèce de bâtard? Est-ce que tu vas m'indiquer comment je dois faire quoi que ce soit là, s'il te plaît? Non. Voulez-vous de nouveaux... Non, je veux pas de nouveaux objectifs. Ah d'accord, alors il fallait piocher. Cette locomotive fonctionne comme un joker, elle peut remplacer une carte de n'importe quelle couleur. Si vous prenez une locomotive face visible, ce sera la seule carte que vous prendrez lors de ce tour. Ah merde. D'accord, je me suis fait avoir. Déposez une carte de couleur noire sur la route surlignée. Hein ? Là ? Vous avez pris une route grise. Ces routes peuvent être prises avec n'importe quelle série de cartes de la même couleur à condition de jouer autant de cartes que l'espace composant la route. Votre score est indiqué ici. Le score de vos adversaires est indiqué ici. Ah ok, j'ai un adversaire évidemment. D'accord, donc mon adversaire fait des trucs depuis tout à l'heure. Mais je sais pas où en fait, parce que je vois pas ces wagons. Le nombre de wagons qui vous reste est à rester ici, 41. Le nombre de wagons qui reste à rester, c'est indiqué ici. Prenez cette carte. Pour prendre une route, vous devez jouer une série de cartes correspondant à couleur au nombre d'espaces de la route. Celle-là. Prenez cette carte-là. Ok, elle a pioché aussi. Déposez une carte de couleur blanche sur la route surlignée pour la prendre. Voilà, plus 2, ça c'est mon score. Prenez cette carte. Prenez cette carte. On lui fait confiance. Hein. Comme vous avez peut-être remarqué, à chaque tour, vous pouvez soit prendre deux cartes, wagon, soit prendre une route. Le nombre de cartes de vos adversaires ont en main est indiqué ici. Prenez cette carte. Prenez cette carte. Ah ouais, tranquille. Tranquille l'autre là-haut. Prenez cette carte. Prenez cette carte. Déposez une carte de couleur violette sur la route surlignée pour la prendre. Plus la route est longue... plus la route est longue, plus vous marquez de points.
prenez cette carte. Prenez cette carte. Ah ouais, tranquille, l'autre qui pose des machins là. Tranquille. Alors là, on va mettre elle. Tulum. Ah ouais, c'est posé quoi. Prenez cette carte. Tirez une carte au sommet de la pioche. Putain, plus cette. Là. Tranquille, elle pose des cartes quoi. Prenez cette carte. Déposez une carte de couleur bleue sur la route surlignée pour la prendre. Et hop, on a relié. J'ai fait un objectif. Cet objectif est réussi, les points indiqués dessus seront ajoutés à votre score à la fin du jeu. Donc 16 points, bien. Et au final, bah, j'imagine que c'est celui qui fait le plus de points. Vos adversaires n'ont pas besoin de le savoir. Bah de toute façon, c'est un ordi. Hein. Essayez de réussir un autre objectif à présent. L'objectif, c'est de montrer, de monter tout ça. Et ben ouais. Prenez cette carte. Alors, faut que je choisisse. Déposer une carte de couleur blanche sur la route. Ah oui, là-haut. L'eau. Plouf. Ouh, elle pose ses trucs, elle aussi. Prenez cette carte. Ah bah d'accord, bah, de toute façon, il m'indique entièrement ce qu'il faut que je fasse. Hein. C'est pas très très amusant pour l'instant, mais... Déposer une carte de couleur orange sur... Il faut que j'aille de là à là. Donc, j'imagine que c'est là. Ding. À 31 points, cette grosse connasse. Prenez cette carte. Prenez cette carte. 3 locomotives. Le jeu a tort défaussé toutes les cartes visibles pour les remplacer par 5 nouvelles. Déposer une carte de couleur bleue sur la route surlignée. Ah bah de toute façon, oui, voilà. Et puis de toute façon, il m'en reste plus qu'une derrière. Et je prends cette carte. Et je prends cette carte. Et je pose celle-là. Ici. Et l'objectif est rempli. Ah bah non, il y a encore celle du bas. Tirer une carte au hasard au sommet. Une carte au hasard au sommet. 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 Et ouais, il faut que je puisse remplir celle de 4. Donc elle aussi, elle est en train de bien... Hop, normalement je peux le faire, je peux remplir moi. Voilà, je peux la poser. Terminé. Tring. Plus 7. 35 et j'ai rempli mon objectif aussi. Tous vos objectifs sont réussis, vous pouvez maintenant tenter votre chance et reprendre de nouveau pour cela. Eh ben on va prendre un objectif. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus avantageux par rapport à ce que j'ai? Bah celui-là. Bah ouais, carrément. Ou plus 15. Quelle salope. Et je commence à jouer tout seul, c'est... Est indiqué ici. Prenez cette carte. Oui, bah oui, merci. Prenez cette carte. Ouais, si tu veux. On va mettre là. Et voilà, objectif de plus. Tring. Tum tum. Par contre, moi, je suis loin de son score, quand même. Oui, je veux un nouvel objectif. On va prendre... Ah, ta mère, je veux pas savoir... Lui. Ah putain, lui, ça va être chaud. Ah, ils sont chauds, les objectifs, quand même. Ils sont chauds. On va prendre lui. C'est le plus simple. Allez, qu'est-ce que je peux faire? Bah là, je vais faire ça. Mais qu'est-ce qu'il me fait faire, là? Ah d'accord, il me fait toujours jouer comme il a envie que je joue. Hein. Ah, il y a lui à remplir le truc de 5, là. Ah, truc de ouf, quoi. Sur la route, sur lignée. Ah bah oui, il y a une petite route. La route honnête. 80, elle a cette grosse salope. Prenez cette carte. Et cette carte. Ah, de toute façon, je suis obligé de prendre de la bleue. C'est notre bleu. Donc je suis obligé de tenter la chance, le wazard.
Évidemment, je pioche pas de carte bleue, hein. Oh, je vais peut-être pouvoir, là. Et oui, je peux. Voilà. Vlan. Tchla. Plus 10. 52. On comble l'objectif. Vlan. Ouh, tu fais moins la maline, hein. Vous n'avez plus beaucoup de wagons. Il est peut-être risqué de reprendre l'objectif. Ah oui, d'accord. Le dernier tour est déclenché lorsqu'un ou l'adversaire n'avait plus que deux wagons ou moins en réserve. Essayez de prendre des routes pour obtenir des points supplémentaires. Bloquez vos adversaires ou poulevez. Vous pouvez seulement assez pour terminer cette partie. Vous en savez. Bah ouais. Bah ouais, je vais terminer la partie toute seule. Toute seule. Ah merde. Et ben il a déclenché le dernier tour, donc je vais mettre un truc là. Flan. Ici c'est bien. Et puis voilà. 13. C'est le moment de calculer le score final. Calcul du score. Oh, je suis loin d'elle, hein. Même avec tous mes trucs. 20. Elle va mettre ses deux objectifs. Ouh, elle a pas réussi l'autre. Et elle perd les points. Et 13, elle a réussi. Et je gagne quand même. Et ça compte quoi? Ça compte les wagons? Ok, bah voilà. J'ai gagné, même si j'étais aidé par l'ordi, c'est plutôt sympa. Et ben, ça change un peu des jeux dont on joue d'habitude. Ça change un peu des jeux. Il y a un classement. Voilà, voilà. Et on peut revenir sur... le niveau ou quitter le jeu. Non, j'ai pas envie de quitter le jeu. Est-ce que je peux juste revenir sur le menu le menu d'origine, s'il vous plaît. Voilà, bon, on va rester sur cette carte. En tout cas, j'espère que ce jeu vous a plu. Moi, il me plaît bien. Même si, bon, bah, c'est du jeu de stratégie. Ça change un peu. J'aime bien découvrir ce genre de jeu comme ça. Je le verrais bien en plateau. Ça serait possible, hein, en jeu de plateau. Un vrai plateau, avec des vrais wagons. Mais bon, après, il n'y a pas tellement de retournement de situation, c'est simple. Voilà, disons que c'est simple, pas complexe. Après, j'imagine, si on joue contre des adversaires, il doit y avoir des stratégies quand même. De prendre les routes avant eux. Hein. On voit qu'il y a des doubles voies, donc il faut les prendre. Mais ouais, typiquement, si on a déjà mis nos wagons, il ne peut pas mettre les siens, donc ça doit être... voilà. D'ailleurs, moyen de bloquer l'autre, hein. Ça doit être sympa. Enfin bref, on se laisse sur cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Mais surtout, essayez de partager cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, on se dit salut !